C'était très difficile de voir toutes ces pièces au musée, pas seulement détruites, mais sales, pleines de poussière. On a assisté au son de la destruction du musée. C'était assez impressionnant. Une de nos principales sources de financement maintenant pour la reconstruction du musée, le bâtiment et la restauration des œuvres, vient du ministère de la Culture français et on n'a pas reçu un coup de fil, une visite évidemment, mais même pas un coup de fil du ministère de la Culture libanais ou d'un représentant de l'État. Par rapport aux vitraux, on a dû refaire à l'identique tout le motif à partir de dessins, à partir des motifs que nous avons récupérés au sol et qui a permis de reconstituer à l'identique tous les éléments des vitraux. Le Paul Guragossian qui était très endommagé, il y avait beaucoup de pertes de la couche picturale et on a envoyé cette œuvre à Paris, au Centre Pompidou. Il y aura une discussion autour de cette œuvre, comment on va la restaurer.